Début d'après-midi, l'honorable Delphin Kasongo Kibale arrive au village Mokupa, situé à plus ou moins 50 km de la cité de Kilwa. Après l'accueil des autorités coutumières et militaires, le fils de Pueto entame son périple, accompagné d'une foule immense, jusqu'à la résidence du chef Katongola Mokupa. Dans son adresse, l'élu des Pueto appelle les paysans de Mokupa à faire un choix responsable pour le développement de leur contrée. Sur place, il présente aux familles des nouveaux lauréats du coin qui ont achevé leurs études à l'université de Lubumbashi grâce à son assistance. L'émotion, la gratitude des parents est sincère. Gratitude symboliquement matérialisée. Les parents des nouveaux licenciés ont offert à l'honorable Delphin Kasongo Kibale des chèvres et des poules. Sur place, c'est-à-dire à l'école primaire conventionnée catholique Mokupa, l'homme du peuple paye anticipativement 4 mois de frais scolaires pour tous les enfants de Mokupa. Après, direction Kilwa, mais juste à 5 km de Mokupa, Kankumbwa, les habitants de ce village l'attendaient. L'ambiance similaire. Épris d'émotion en voyant l'immense foule, Kasongo Kibale s'est soumis aux souhaits de ses électeurs. Au village Moulindé, la mobilisation était tout autant inédite. L'homme du peuple est contraint de s'arrêter pour communier avec son public. Plusieurs arrêts avant d'arriver à Kilwa, les drapeaux PPRD ont flotté. Et dans chaque village, Delphin Kasongo Kibale s'engageait à honorer 4 mois de frais scolaires pour tous les enfants, avec un message d'union derrière Joseph Kabila Kabangé.